savoir combien ça leur fait de victoires, enfin de titres ensemble et cette année. Voilà, ensemble et cette année. So, how many titles did you win together and how many this year? Three together and all three this year. Donc, trois ensemble et trois cette année. But they seem to come in good places, big tournaments. We won an ATP 250 in Eastbourne. We won, obviously, here this week, and also we won a big challenger in Surbiton in England on the grass as well. So we seem to do well in the big tournaments and have been, touch wood, pretty good in the finals of tournaments that we've played. Donc on en a gagné trois, mais à chaque fois c'était des grands tournois. On a gagné un ATP à Lisbonne, on a gagné un Challenger en Angleterre sur de l'herbe, et puis ici, et en fait on a l'air de sentir bien sur les grands tournois, les finales ont l'air de bien nous réussir. Qu'est-ce qui fait que leur association elle fonctionne bien? Comment ils s'expliquent ça? So how do you explain that it matches well together? The partnership? Yes. Yeah, I think we complement each other very well. We both have pretty big, powerful games from the ground, and I think we can both play from the back, so we can play good tennis from the back. We can both volley well. Luke serves very well, and I'm pretty good up at the net. So, I think we're also very opposite. Our personalities are very different, which I think is quite good, because if you have a similar sort of personality, then you know when one's down, you know it's kind of tough to get it back, but. I think it works obviously quite well. On est vraiment assez complémentaires tous les deux. On a tous les deux un jeu qui est vraiment Johnny. Yes. On a tous les deux un jeu qui est assez assez puissant, et on peut vraiment tous les deux jouer aussi bien du fond à la volée. On peut servir tous les deux, mais on a aussi quand même des personnalités qui sont assez opposées, ce qui est plutôt bien, parce que quand il y en a un qui a la morale qui est plutôt en bas, il peut remonter le moral de l'autre. Lovely French. Lovely French. It sounded so much better from you than me. I wish you were about to talk about the champignons. Oh, I hate mushrooms. Yeah, but I said he's going to say that he hates mushrooms. It's all that. I do it every day. Ils sont jeunes, hein, c'est ça, ils ont 23 ans. Et j'avoue, ils font que du double. So you're together pretty young, you're 23. Are you just playing doubles together? Yeah, we play. We both made the decision. About a week apart last year. It was around Wimbledon time last year. So this tournament last year, we weren't ranked high enough to get in to this tournament last year. We weren't ranked high enough. So if we were to play this tournament, we wouldn't have got into this tournament because we weren't good enough yet. But we had a good year, and we both worked hard separately and together. And as Johnny said, our games do complement each other well, and we can certainly play some extremely high level tennis. Oui, alors en fait, on a pris cette décision il y a à peu près un an au moment de Wimbledon, parce qu'on n'avait pas un classement ATP qui était assez élevé pour pouvoir continuer. Mais du coup, on a décidé de travailler vraiment dur, aussi bien séparément qu'ensemble. Et comme l'a dit Johnny, on se complète vraiment très bien tous les deux, et comme on travaille dur, ça a l'air de plutôt bien marcher. C'est quoi leur ambition à terme en double, d'être dans les 50 meilleurs du monde, mieux? So what's your goals for that together? Is it like being between the 50 ATP or? Yeah, I mean, I think we've both got individual goals. You have short-term goals, long-term goals. It, you know, keeps you on track. I think doubles, I don't see why we can't, you know, make it right to the top. That's why we swapped singles for doubles. It was a hard decision, but you know, we didn't make it, you know, to chill around 50 in the rankings. You know, we want to get top 10. I want to win Grand Slams in doubles. We're both very young, so we have, you know, six years of learning before we can really start to push in the Grand Slams. So, I want to get right up there. Alors on a tous les deux des buts individuels à moyen terme et à long terme. Après on pense que on a forcément envie d'atteindre le top niveau du double et le top 10 et atteindre aussi des grands chelems. Là en gros on va avoir 6 ans à peu près d'expérience pour pouvoir d'entraînement et de pratique pour pouvoir atteindre justement ces objectifs. Les deux, c'était leur première venue ici. Oui, I'm on three. Together, it was the first time you were coming to Orléans. Yeah.
neither of us have ever come here before, so together or apart, great tournament. Aucun de nous deux n'était venu ici aussi bien séparément qu'ensemble, et c'est un très bon tournoi. Et c'est parfait. Merci beaucoup. Et merci. Que pensez-vous justement de l'Open d'Orléans? What do you think about the Open d'Orléans? Yeah, it's been an unbelievable event. Definitely, you know, one of the best challengers I've played. It's felt like an ATP event. The organization's been great. The ball kits have been great. The stadium court is so nice to play on. We were lucky enough to play three matches there with Hawkeye, and today was an incredible atmosphere out there to play in front of. So yeah, just an absolute pleasure to play here. C'est vraiment un tournoi qui est incroyable, c'est le meilleur tournoi auquel j'ai participé. Donc au niveau de l'organisation, des ramasseurs de balles, voilà, tout était vraiment très bien. Le palais des sports est aussi incroyable, et il y a une atmosphère aujourd'hui qui était particulièrement incroyable, et avec le Hawkeye aussi, donc voilà, c'était vraiment super. Really quite brilliant. Thank you very much. Thank you.